Les amis, quel est le point commun entre la limite de moins 3 fois 1,5 puissance n, 5 puissance n, moins 3 puissance n, et cette espèce de limite dégueulasse qu'on a ici? On va le voir tout de suite, c'est les limites de la forme q puissance n, et on se règle ça en 5 minutes, on y va. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est ce que vous avez dans votre cours, c'est ce qui s'affiche là. Quand vous avez q puissance n, c'est-à-dire quelque chose à la puissance n, si ce q est plus grand que 1, la limite, ça va être plus l'infini. En effet, si je fais 2 puissance n, ça va faire 2 fois 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 2, ça tend vers plus l'infini. Si c'est plus petit que 1, par exemple moins 3 à la puissance n, ça va me faire moins 3, 9, moins 27, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Un coup négatif, un coup positif, un coup négatif, un coup positif, donc pas de limite. Et si c'est compris entre moins 1 et 1, par exemple moins 0,5 puissance n, ça va me faire 0,5, moins 1 quart, 1 25e, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et du coup on tend vers 0. Sachant ça, ne vous attendez pas à ce que ça soit aussi simple au contrôle. Si vous êtes vraiment verni, vous avez ça. Si vous êtes un peu moins chanceux, mais chanceux quand même, vous avez ça. Et dans la majorité des cas, vous allez vous trimballer cette espèce d'énorme limite qu'on va régler, mais avec un calme tranquille, dans 3 minutes, on s'y met. Moins 3 fois 1,5 puissance n, donc là, c'est vraiment l'application du cours. 1,5 puissance n, 1,5, c'est bien compris entre moins 1 et 1, donc 1,5 puissance n, ça tend vers 0. Moins 3 fois 0, ça fait 0. J'ai rien à justifier, c'est même pas une forme indéterminée. 5 puissance n, moins 3 puissance n. Là, vous êtes refait. Vous connaissez votre cours par cœur, vous vous dites, bah, easy. 5 puissance n, 5 c'est plus grand que 1, ça fait plus l'infini. 3 puissance n, ça fait plus l'infini. Merde, j'ai un moins au milieu, je suis dedans. Et effectivement, vous êtes dedans, c'est une forme indéterminée. Du coup, il va falloir la bosser un petit peu. Alors, ça se fait vraiment en 3 coups. Premier coup, je factorise par le terme de plus haut degré. Donc, le plus puissant entre 5 puissance n et 3 puissance n, qui sait? Est-ce que c'est 5 puissance n ou 3 puissance n? Évidemment, réflexe, on se dit, le plus puissant, c'est 5 puissance n. Et pour une fois, on a raison. Donc, on va factoriser par 5 puissance n. Donc, 5 puissance n, facteur de quelque chose. Problème! Là, j'ai 5 puissance n qui est multiplié par 1, mais là, j'ai 3 puissance n, et 3 puissance n, il n'y a pas de 5 puissance n dessus. Est-ce que c'est grave? Non. On va le rajouter. Bim, j'ai mon 5 puissance n. La vie est belle. Et vu que j'ai pas le droit de multiplier par 5 puissance n, eh ben, je divise par 5 puissance n, et on est tranquille. J'ai bien 3 puissance n sur 5 puissance n, fois 5 puissance n, 1 fois 5 puissance n, je peux factoriser par 5 puissance n, et ça me fait 5 puissance n facteur de 1, moins 3 puissance n sur 5 puissance n. Et là, vous vous dites, yes, j'ai levé mon indétermination, je réfléchis 2 secondes, ça tend vers 1, ça me fait plus l'infini sur plus l'infini, merde. J'ai rien levé du tout. Il y a encore une étape. 3 puissance n sur 5 puissance n, c'est exactement la même chose que 3 sur 5 à la puissance n. Ah, et là, c'est cool, parce que ça tend vers 1. 3 cinquièmes à la puissance n. Je regarde mon cours, c'est compris entre moins 1 et 1, 3 cinquièmes, parce que 3 est plus petit que 5. Donc, ça me fait q puissance n avec q compris entre moins 1 et 1, q puissance n quand q est compris entre moins 1. Faut que je me calme, je vais pas y arriver. Je répète, q puissance n quand q est compris entre moins 1 et 1, ça me fait 0. 1 moins 0, ça me fait 1. Fois 5 puissance n, 5 puissance n, 5 étant plus grand que 1, ça tend vers plus l'infini. Plus l'infini fois 1, ça me fait plus l'infini. Je viens de régler ma forme indéterminée. Je suis refait. La vie est belle. Retenez ça. Ça, vous avez de grandes chances de l'avoir au contrôle. On prend 2 minutes. On se zénifie. On regarde ce truc-là. On se dit, c'est impossible que j'arrive à faire ce truc-là. Et c'est vrai, franchement, ce bail-là, cet exercice, pour y arriver, il faut l'avoir vu. Franchement, c'est rare, les élèves qui arrivent à deviner comment est-ce qu'on résout une limite aussi dégueulasse que 1 plus 7 cinquièmes plus 7 cinquièmes au carré, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Comment on le fait? Eh ben, on remarque que quand je suis passé de là à là, j'ai multiplié par 7 cinquièmes. Quand je suis passé de là à là, j'ai multiplié par, comme par hasard, 7 cinquièmes. Quand je suis passé de 2 à 3, j'ai multiplié par 7 cinquièmes. Donc, en fait, on est en train de faire la somme d'une
suite, c'est-à-dire d'une série de nombres, 1, 7 cinquième, 7 cinquième au carré, 7 cinquième au cube, et ainsi de suite jusqu'à 7 cinquième puissance m, on est en train de faire la somme des termes d'une suite où je passe d'un terme au suivant en multipliant par 7 cinquième. Ça vous dit rien, ça? Une suite dont je passe d'un terme au suivant en multipliant par le même nombre? Ah ben les gars, et programme de première, vous l'avez vu 100 fois. C'est une bonne vieille suite géométrique. On est face à la somme des termes d'une bonne vieille suite géométrique. Et ça, vous avez une formule pour ça. La formule, c'est premier terme. Moi, je vais l'écrire comme ça. U0 multiplié par 1 moins ma raison puissance nombre de termes sur 1 moins ma raison. J'ai juste à appliquer. Mon premier terme, il vaut combien ici? Il vaut 1 fois 1 moins ma raison 7 cinquième à la puissance n plus 1 sur 1 moins 7 cinquième. Au calme. Et quand je fais la limite, ça va sauter. Il va plus me rester que 1 fois 1 parce que 7 cinquième... Ouh, j'ai dit de la merde. 7 cinquième, ça va pas du tout sauter. Pourquoi ça saute pas du tout? Il va nous falloir légèrement plus d'écriture que ça. Donc, je vais prendre le temps de simplifier ce qu'il y a en bas. Donc, 1 moins 7 cinquième, comment est-ce qu'on peut l'écrire? Donc, le 1 fois, déjà, j'enlève parce que c'est... Je le remets, sinon vous allez être perdu. Mais pour la prochaine étape, je le fais sauter. Donc, il va me rester 1 moins 7 cinquième puissance n plus 1. 1 moins 7 cinquième, c'est comme 7 sur 7 moins 7. Ouh, c'est comme 5 sur 5 moins 7 cinquième, comme ça je les ai au même dénominateur. 5 moins 7, ça fait moins 2. Donc moins 2 sur 5. On continue. Moins 2 sur 5. Quand j'ai un objet que je le divise par moins 2 sur 5, ça revient à le multiplier par 5 sur moins 2. Donc ça me fait 5 sur moins 2 multiplié par 1 moins 7 cinquième puissance n plus 1. Et là, je peux commencer à travailler. En effet, 1, ça tend vers 1. 7 cinquième, est-ce que c'est plus grand ou est-ce que c'est plus petit que 1? Ben 7, c'est plus grand que 5. Donc quand j'y vis 7 par 5, ça va être plus grand que 1. Du coup, 7 cinquième puissance n plus 1, vu que 7 cinquième est plus grand que 1, ça va tendre vers plus l'infini. Sauf que j'ai un moins devant. Donc je vais me retrouver ici avec 1 moins l'infini. 1 moins l'infini, c'est pas une forme indéterminée, ça fait moins l'infini. Je multiplie moins l'infini par 5 sur... moins 2. Un nombre négatif fois un nombre négatif, ça me fait un nombre positif. Et 5 demi fois l'infini, ça fait toujours l'infini. Donc je me retrouve avec plus l'infini. Cette notation, elle est terrible, hein. C'est une notation brouillante. Vous n'écrirez jamais que une suite est égale à plus l'infini. Vous pourrez dire que la limite de cette suite-là, donc 1 plus 7 cinquième plus machin plus 7 cinquième puissance n est égale à plus l'infini. C'est celui qu'il faut s'entraîner. Il n'y a aucun moyen de s'en sortir sans s'entraîner. Ça va pas créer comme ça, vous m'avez fait peur. Celle-là, c'est une application directe du cours. Celle-là, il faut penser à factoriser. Et celle-là, si vous ne vous êtes pas tapé ce calcul-là au moins une fois, vous n'y arriverez jamais. En vrai, je suis allé très vite. Il y a vraiment moyen de se gourer ici, ici, ici et ici. Pour cette formule-là, allez voir la compétence qu'on a fait sur les suites géométriques et les sommes de termes d'une suite géométrique. On a fait une super vidéo, il y a des super exercices. Prenez le temps, même si ça vous prend une demi-heure ce soir, allez maîtriser cette formule-là parce qu'elle va vous servir vraiment toute la terminale. On vous a mis des exos en dessous, vous êtes les meilleurs, vous allez les défoncer. Entraînez-vous parce que ça tombe au contrôle. À vous de jouer.